soir, écrivant un texte. Je me sens bien quand je relis, je comprends rien. Ça devient flippant, j'aspecte les quatre coins de ce qui me sert de tête. C'est le moment de faire le break. Plus dire chin chin quand c'est le diable qui me sert le verre. Parole d'homme, je suis fier de fier. Paradoxe, en disant ça, je me rends compte que j'ai pas capté toutes les paraboles. Mais je marche dans la ville, un casque sur les oreilles. Et quand arrive la nuit, j'observe les astres et les comètes. Il est bien loin le temps du coloriage et des gommettes. Mais mon esprit d'enfant, moi je l'ai toujours pas gommé. Papa m'a expliqué qu'il faut toujours pardonner. Mais ce que sa mort m'a piqué, elle me l'a toujours pardonné. En plus des erreurs à pas commettre, il y a une chose. Bah oui, la question de avec qui je vais passer ma vie. C'est quelque chose qui est bien enraciné en nous. On veut l'époux, l'épouse parfaite, on veut être avec des gens. Et on est créé pour ça, on n'est pas créé pour être seul, on est créé pour être avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, je pense, qu'on se triture un peu trop la tête dessus parfois. Je pense que la chose la plus fondamentale, quand on est à la recherche de quelqu'un comme ça, c'est: est-ce que je peux bâtir un projet en commun avec cette personne-là? Je veux dire, la Bible, ça parle de deux personnes séparées qui deviennent une seule chair. Et avec cette personne-là, est-ce que ce à quoi Dieu m'appelle, ça correspond avec ce à quoi Dieu appelle cette personne-là? Après, oui, évidemment, de bien aimer la personne et tout ça. Mais voilà, et d'être cool aussi, hein, c'est pas comme s'il y a une seule personne dans le monde qui est bien pour moi, et si jamais j'ai fait une erreur là, Dieu va, voilà, c'est fini, je vais être célibataire pour tout le reste de mon temps. Ça marche pas comme ça. Sois cool, rencontre du monde, sois toi-même, et puis si t'aimes quelqu'un, voilà, pose-toi les questions: est-ce que je l'aime, qu'est-ce que Dieu en dit, est-ce qu'on peut pratiquer un projet en commun? Et puis, continuer à être cool après, quoi. Mais je sais que pour mieux vivre, je devrais me plonger dans ma Bible et me faire emporter par les pages. Et si le diable revient, je lui tendrai pas la main. Car quand ma vie touchera sa fin, j'aimerais finir à l'étage. J'aimerais finir à l'étage. J'aimerais finir à l'étage.